Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du génie de l'investissement appelé Warren Buffett. En fait, il a fait un coup de génie depuis cette dernière récession, là où justement les gens ont peur, ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu leurs actions, ils paniquent tout simplement. De temps en temps, il y en a qui achètent de l'or en ne sachant pas quoi faire. Eh bien, Warren Buffett a décidé d'acheter une compagnie de chemin de fer. Alors on pourrait se dire, mais il a perdu la tête. Pourquoi acheter une compagnie de chemin de fer en pleine récession, là où les gens, ils n'ont pas d'argent et du coup, ils achètent moins et donc, il y a moins de transport. Eh bien, c'est là le sujet de cette vidéo. Warren Buffett s'est dit, bon, ok, on est en pleine récession, les gens n'ont pas d'argent, il y a moins de transport. Par contre, l'entreprise, la compagnie de chemin de fer vaut moins cher parce qu'elle engendre moins de bénéfices. Par contre, ça reste une super compagnie qui a de l'historique et qui est puissante. Et donc, Warren Buffett, tout comme toutes les autres récessions, il sait tôt ou tard, ça va s'arrêter. Toutes les crises ont une fin et les prix finissent par continuer de monter, par ravaler le creux de la crise. Par exemple, on a déjà ravalé la crise du Covid-19, on a déjà ravalé la crise de 2000 aussi, de 2008. Toutes les crises sont ravalées tôt ou tard. Donc, il s'est dit, là où les gens ont peur, revendent et donc, tout diminue, c'est là où je vais acheter. Comme ça, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, ça, on ne sait pas, la récession va se terminer, les prix vont repartir à la hausse et c'est là où il va faire un gros bénéfice, une grosse plus-value. C'est lors de la revente, lorsque les prix, auront tout ravalé le creux de la récession. Et c'est ça justement qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'à partir du moment où vous savez voir la valeur réelle d'une entreprise, d'une compagnie et que vous mettez de côté la psychologie, les gens qui perdent, les gens qui ont peur, les gens qui ne savent pas quoi faire, mais que vous concentrez uniquement sur les chiffres et la valeur réelle qu'une entreprise va valoir, Amazon, Apple, Microsoft, la compagnie de chemin de fer pour donner d'autres exemples, c'est là où vous allez commencer à être bon. Donc acheter lorsque les gens ont peur, vendent, on a des crises, etc. Toujours évidemment en ne vous mettant pas en danger, mais en contrôlant votre risque et votre investissement. Et ensuite, une fois que les prix vont monter, que les gens vont commencer à dire « Ah, c'est super intéressant, Amazon, il y a 200$, tout est bris, ils font des bons chiffres, etc. Je vais les acheter. » Vous avez déjà fait 100$ par action. Vous avez acheté à 100, vous revendez à 200. Vous partez, vous prenez plus de risques. Et encore une fois, c'est pas tout blanc et tout noir. Lorsque vous achetez, vous n'êtes pas obligé de faire un all-in sur l'action. Et lorsque vous revendez, vous n'êtes pas non plus obligé de revendre la totalité de vos actions. C'est ce que je vous ai déjà dit également souvent. Lorsqu'on va investir en bourse, vous pouvez acheter des petites parties en faisant par exemple du DCA. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il est super important de réussir à calculer la valeur réelle de l'entreprise sans se faire influencer par les facteurs extérieurs de psychologie. La psychologie des investisseurs lambda qui sont pas vraiment formés, qui vont aller où est-ce que ça brille. Lorsque le Bitcoin est à 80 000$, tout le monde veut l'acheter. Lorsqu'il descend à 15 000, personne veut l'acheter. C'est comme ça, c'est la psychologie des investisseurs et c'est exactement la même chose en bourse. Donc, si vous arrivez à mettre en pratique ce que je viens de vous donner, vous allez voir que vous allez pouvoir vous enrichir beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus sûre, entre guillemets, avec beaucoup plus de probabilité en tout cas. Parce que au plus vous achetez bas, au plus il y a de chances que les prix repartent à la hausse. Donc voilà, c'est super important que vous puissiez faire comme Warren Buffett lorsque vous allez investir en bourse. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà acheté une action très bas en période de récession, par exemple la période du Covid-19, et que vous avez réussi à la revendre très haut, ou alors peut-être que actuellement, dans cette récession actuelle, vous avez déjà réussi à acheter des actions très bas et vous attendez que la récession se termine pour vendre au plus haut. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'oubliez pas en description la formation Actions rentables qui va vous permettre d'investir dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer des dividendes, peu importe si l'action monte ou si l'action elle baisse, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.